Yo tout le monde, c'est Candy Goldo, on se retrouve sur Civilization 6 pour un nouveau gameplay et on va en faire des choses dans cet épisode-ci puisqu'on va commencer à évidemment s'attaquer au dernier camp barbare qui occupe la proximité de nos régions, donc celui du nord ici. Comme ça, ce sera fait, on sera plus emmerdé. Donc j'ai envoyé mes unités dans cette direction-ci, mes éclaireurs eux, toujours à la recherche de nouvelles civilisations et de ressources précieuses. Et on va donc avec le reste, nos deux cités, donc on a Saint-Pétersbourg et donc Voronezh, je la prononce à l'espagnol puisque les espagnols se trouvent juste à côté. Mais donc Voronezh. J'ai tiré une flèche dans les airs. Voilà, tout ça pour dire que clairement on a notre deuxième cité et que donc on est en train de faire tout pour se choper également les persos illustres le plus rapidement possible. Et donc le tour est maintenant passé, mon personnage illustre que j'avais débloqué la fois passée est juste là, Jean le Baptiste, donc un prophète illustre que j'ai réussi à avoir. Et il est justement sur ma lore. Donc une fois que votre personnage illustre est positionné sur le bâtiment de sa spécialité, donc ici paradoxalement la religion est donc une terre sacrée. Un lieu sacré, un lieu de foi. Et ben regardez, on va pouvoir activer sa compétence. Et mesdames et messieurs, il est temps de fonder notre religion. Donc c'est parti, je l'ai un peu sacrifié du coup, le pauvre il est décédé. On va d'abord choisir une technologie avant de choisir notre religion. Donc courir les arbres des technologies. Donc on peut déjà foncer vers le travail du bronze. Malheureusement j'ai toujours pas trouvé de fer, ça me les brise mais c'est comme ça. Donc il va falloir faire à un moment en sorte d'en trouver et assez rapidement puisque le fer est vraiment nécessaire pour pouvoir avoir nos spadassins etc. et avoir de bonnes unités. Mais donc on verra. Je vais du coup rechercher pour l'instant le travail du bronze qui est déjà optimisé. Mais on va également aussi faire la monnaie également optimisée. On verra ce qu'on fera par après. Et donc voilà, on venait tout juste de défoncer le camp qui se trouvait juste ici. Donc on a trouvé de la pierre ici. C'est tout ce qu'on a trouvé. Il n'y a rien du tout concernant le fer, il y a du cuivre aussi, mais le fer vraiment c'est une denrée rare, il va falloir le trouver, le chercher. On va peut-être explorer le nord, qui sait, on pourrait être surpris, mais ça m'étonnerait dans la toundra, voilà. Bon bref, fondons mesdames et messieurs notre religion, donc on a à disposition les religions existantes de notre monde, donc le bouddhisme, le catholicisme, le confucianisme, l'islam, le judaïsme. J'avais dit l'islamisme la fois passée dans la vidéo, désolé, c'est pas du tout ça, c'est complètement différent malheureusement, donc c'est l'islam, le judaïsme, l'église orthodoxe, le protestantisme et j'en passe et des meilleurs, donc il y en a qu'on va pouvoir effectivement faire nous-mêmes. Donc vous en avez plein ici, religion personnalisée, en réalité c'est juste pour choisir le logo de votre religion que vous voulez créer, et mesdames et messieurs, nous allons créer avec la tête de lion, la religoldo, donc la religion de Candy Goldo, oui c'est très recherché je sais. Mais donc voilà, c'est parti, donc Religoldo. Donc là, on va fonder notre propre religion, ce qui veut dire que paradoxalement, aucun autre peuple ne pourra avoir cette religion, à moins qu'on réussisse à influencer les villes avec j'ai oublié le mot, je le dirai juste après. Bon bref, du coup, qui dit nouvelle religion dit nouvelle croyance, on va pouvoir en sélectionner deux nouvelles. Donc on avait étincelle divine. On avait chopé ça lors de la création de notre panthéon. Et maintenant, on peut en sélectionner deux nouvelles. Donc, ce sont des éducations, des types de pensées de communauté, si vous voulez. Puisque maintenant qu'on a notre religion, on va être beaucoup plus nombreux, on va avoir beaucoup plus d'adeptes. Et donc, on va devoir avoir... Alors, nourrir le monde. Les hôtels et les temples fournissent une quantité de nourriture égale à leur génération de foi intrinsèque. Éducation jésuite permet d'acheter des bâtiments pour le campus et la place du théâtre. Habitation plus 1 pour les hôtels et les temples. Activité plus 1 dans les villes abritant deux quartiers spécialisés. Production plus 1% pour chaque fidèle. Les reliques fournissent 3 fois plus de foi et de tourisme. Les hôtels et les temples fournissent une quantité de nourriture égale à leur génération de foi. Why not? On va prendre ça. Allez. Et maintenant une nouvelle croyance. Donc là il y en a beaucoup. Cathédrale permet de la construction de la cathédrale. Ah oui, là on va devoir choisir apparemment le bâtiment qu'on va pouvoir construire. Prédicateur itinérant. La religion se propage aux villes plus 30% plus éloignées. Pas mal. Donc il va y avoir un système de propagation de notre religion. J'ai pas le temps de tout lire. Permet de construire des gurdwara. Fois plus 3, nourriture plus 2. Intéressant. Permet la construction de pagodes.
fois plus 3, habitation plus 1, permet la construction de watts, fois plus 3, science plus 2. Donc il y a la construction de bâtiments. Mais en bas, il y a des choses plus intéressantes. Le prix des missionnaires. Ah, voilà, les missionnaires. Voilà donc les personnages qui vont vous permettre de propager votre, religion dans une cité ciblée. Vous allez voir, c'est assez bien foutu. On fera ça dès que j'en ai un. La pression de votre religion ne baisse jamais qu'en cas de défaite théologique. Propagation de la religion due à la pression d'une ville adjacente plus 25% monte à 50% de fois l'imprimerie découverte. Les unités religieuses ignorent les pénalités de mouvement du terrain. La religion se propage aux, 30 pour, aux villes 30% plus éloignées. Ça, ça va provoquer des tensions. Hein. Vous savez quoi? Puissance de combat plus 10%, plus 10 pour les unités militaires sur le territoire des villes alliées converties à cette religion. Et comme, mesdames et messieurs, je vise le militaire, on va faire d'une pierre deux coups. On va la jouer militaire en la jouant religion. Donc on va avoir la défenseur de la foi. Donc chaque ville qui seront convertie à ma religion nous procurera ce bonus de plus 10 dans puissance de combat pour les unités militaires sur notre territoire. Donc c'est pas mal. Et voilà, la Relie Goldo était fondée et on a du coup la théologie qui est maintenant optimisée. Donc la théologie, la croyance en Dieu unique et qui évidemment est en relation directe avec la religion. Donc on a ici regardé des fidèles concernant le bouddhisme et ma Relie Goldo, donc la tête de lion. On en a deux sur Saint-Pétersbourg, une sur Vorneil. Bon, je veux dire Vorneil, hein, merde. Donc voilà, ça nous procure des petits... bonus apparemment, regardez, point de personnage illustre, plus 1 dans les lieux saints. Ah oui, mais non, ça c'est notre croyance de notre panthéon. Et alors on a deux autres croyances qu'on va pouvoir installer, mais pour ça il va falloir apporter des apôtres. Et qui prêchera dans notre nouvelle croyance. D'accord. Bon, c'est pas mal foutu du tout, j'avoue. Bon, on va monter vers le nord, aller attaquer le prochain camp barbare. Et d'ailleurs, regardez, j'ai une offensive de ces messieurs. J'espère que mon négociant ne va pas se faire avoir, sincèrement. Parce que là, il est juste à côté des ennemis. J'espère sincèrement qu'il ne va pas se faire avoir. Malheureusement, c'est très probable. Il continue à regarder sa route. Et il trace la route, comme je vous en avais parlé la fois passée. Il trace la route là où il passe. Donc ça va rendre nos déplacements plus faciles, là où il passera. Logiquement, il va passer vers Voronei. Et donc, il va atteindre Kaboul plus tard. Donc, ça restera intéressant. Bon, heureusement, j'ai mes guerriers qui sont là. Sur place pour défendre ma cité. Qui viennent attaquer seulement ces connards. Je vais créer un campus. Mais aussi des archers. Puisque je viens tout juste d'avoir le tir à l'arc. Les archers, c'est vrai que je venais juste de les oublier. Donc on entre sur notre territoire à nouveau. Et alors on lance l'attaque juste après. Je vais juste attaquer cette unité-ci. Pas envie qu'elle avance sur la ferme pour la piller elle aussi. Faut se les faire au plus vite ceux-là. Voilà, donc c'est magnifique. Il y a une merveille qui a construit... Il y a une merveille qui a été... Ah, Stonehenge a été construite. Mais on ne sait pas qui l'a construite. Bon, Kaboul résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ses irréductibles habitants résistent. Donc c'est parfait. Ouais, je vous l'avais dit hein, que les Espagnols n'allaient pas y réussir. Entamer le siège d'une ville aussi puissante défensivement, c'est chaud en début de partie. On va pas se le cacher. Bon, je vais juste aller là, un petit peu voir plus amplement leur territoire. Bah oui, en fait, ils n'ont que Madrid. Ils n'ont que Madrid, ils ne se sont pas encore étendus. Les Espagnols. Bon, on va finir ici l'unité de guerriers avec mes frondeurs, magnifique. Logiquement, mes frondeurs... Ah bah, non oui. Mes frondeurs, maintenant, je pense que... Non, je peux pas. Bon, je pensais que j'allais pouvoir les améliorer en archer, mais non. Tant pis, c'est pas grave. Hop, on attaque les frondeurs. Donc une fois cette vague... de barbares repoussés, on monte direction leur camp hein, pour aller se les faire à la racine. Alors ici, hop, on avance encore un peu, pas de nouvelles découvertes. Il y a du sucre, sucre et pierre, voilà ce qu'il y a dans le coin. Pas grand chose, et là il y a de l'encens par contre, ça c'est du luxe. C'est dommage. Bon, mon négociant continue sa route, tant mieux. Et il a atteint Voronei, donc on a une... Une route qui lie Saint-Pétersbourg à Voronei. C'est magnifique.
Une nouvelle fois, si je dis de la merde niveau prononciation, c'est parce que j'ai tout filmé d'un coup. Donc la deuxième vidéo, je ne connais pas encore les commentaires sur la deuxième vidéo. J'irai voir, promis, pour la quatrième, la prononciation de la ville, parce que c'est vrai que c'est délicat. Bon, allez, hop. Parce que je sais déjà qu'il y en a qui vont réagir. Bon, allez. Normalement, logiquement, là... On va se les faire easy au prochain tour, les barbares là, et après on monte. Ouh là là, il y en a encore, hein. Il y a encore du monde. Des éclaireurs, ouais. Des éclaireurs. Bon alors ici, mes éclaireurs par contre, on va les faire revenir un petit peu. Parce qu'il y a des unités affaiblies qui se cassent là, il faut les poursuivre et se les faire, c'est toujours ça de prix. Hop. On passe le tour. Et donc on est maintenant, on arrive aux 2000 avant JC. Donc on ne va pas tarder à changer d'air. Évidemment c'est pas logique hein, ce que je dis, mais logiquement avec les technologies qu'on est en train d'entamer, etc. Ça va pas tarder. Bon ici j'ai mes archers. Je les fais sortir, on attaque si c'est possible. Voilà. Et voilà, mes archers qui font mouche. Ici, je vais affaiblir avec mes frondeurs. Ah, mais ils les ont eu. Magnifique. Bien joué. Pas de promotion, c'est pas grave. Bon, bah du coup, on a 4 unités magnifiques pour aller entamer l'offensive. Je vais juste laisser les frondeurs ici. Je vais envoyer mes archers se faire le camp. Et donc ici, sur Saint-Pétersbourg, on va entamer la construction d'un campus. Il faut absolument non-stop continuer de construire des quartiers pour attirer les fameux personnages illustres. Très important. Donc voilà, là j'entame un quartier scientifique, donc le campus. Et alors ici... Ouais, les Espagnols ont su une petite branlée. On va continuer d'explorer tout ça. Il y a du poisson en pleine mer. Ah, par contre on a une promotion d'unité. Ok, nickel, mes frondeurs ont été promus. Alors là, mais... Ah mais du coup avec mes... Ah non, je peux pas. Je peux pas établir une formation d'escorte avec mes éclaireurs. Dommage. C'est pas grave. Bon, on va voir un petit peu... Bon, je vais laisser mes éclaireurs là, comme ça on verra. Mais je pense que je vais les envoyer direction nord. Essayer de trouver du fer au nord. Parce que là, clairement, tout ce que j'ai découvert, il n'y a rien de tout. Il n'y a pas de fer, regardez, il n'y a que dalle. Il y a de la pierre, tout ce que vous voulez, mais que dalle comme fer. Donc j'espère qu'il y en a dans le nord, sinon on va être un peu poutré. D'un côté c'est pas mal parce que les autres n'en auront pas non plus, directement. Mais bon. Bon, Kaboul est full life, les unités espagnoles non. Donc on, ouais, on peut déjà voir que les Espagnols vont perdre, c'est logique. On a des montagnes au nord, hein, donc logiquement on devrait y avoir du fer, ayez pitié. Bon, on va se soigner chez nous. Ici, promotion d'unité. On peut l'améliorer en archer. Bah voilà, c'est bon en fait. On peut. C'est ce que je me disais aussi. C'est ce que je me disais aussi. On peut, voilà. Donc les frondeurs en archer. Je pensais qu'on pouvait pas. Mais finalement, si on peut. Mais en fait, ils doivent avoir une nouvelle fois tous leurs points de mouvement. Exactement pareil que pour les promotions. Donc voilà, 2 unités d'archer du coup. Parfait. Et mon négociant qui va bientôt arriver à destination. Voilà, on a du coup une belle route qui traverse notre empire. Ça va être très facile de voyager. Enfin, plus facile qu'avant en tout cas. Parce qu'on était particulièrement ralenti, voilà, par la petite forêt ici. Traverser le fleuve, etc. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont un peu chiants. Alors. Toujours en visu les éclaireurs espagnols. Oh bah. J'aime bien sa petite bouille à lui. Bon bah alors, pourquoi venez-vous rencontrer le grand Qin Shi Huangdi, l'immortel fils du ciel? Mesdames et messieurs, nous avons fait la connaissance du dirigeant de l'Empire chinois. Souhaitez-vous visiter notre cité voisine et goûter à notre hospitalité? C'est acceptable. Bah oui. Bah voilà. Pour l'instant, je la joue sympa avec tout le monde, comme je l'ai dit. Je veux être sûr de mes positions avant d'entamer une guerre importante. Ah oui, voilà, c'est son éclaireur qui a découvert mon territoire. Il est tout aussi important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être rentable. Voilà, donc ici, main-d'œuvre nationale est terminée. Donc on a débloqué une carte assez intéressante, c'est la conscription ici.
car de doctrine militaire, et qui nous permettent de réduire d'un or par tour et par unité le coût d'entretien des unités. Donc c'est pas dégueulasse, mais je n'ai pas encore une armée assez imposante pour appliquer cette carte, on attendra un petit peu. Donc voilà. Alors, on va du coup maintenant faire quoi? Eh ben, on va du coup faire la philosophie politique. Il faut les deux pour avoir la philosophie politique. Il faut faire le premier empire aussi, apparemment. Atteignez une population de niveau 6. Ah. Bon, bah, ce sera peut-être atteint durant les. Vous savez quoi? Je vais faire la tradition militaire. Celle-ci, elle est déjà optimisée. Mysticisme aussi est optimisé maintenant que je regarde. Et on aura une nouvelle construction, une merveille. Oracle. Le mécénat des personnages illustres nécessite 25% de foi en moins. Pas mal. Ah ouais. Ah, si on veut vraiment aller dans la religion, le mysticisme et du coup la merveille d'Oracle, ce serait intéressant, hein. Et aussi pour les personnages illustres. Mais bon. Du coup, on fait la tradition militaire. Je vais déjà aller en éclaireur avec mes archers. Hop, ici on s'enfonce un petit peu. Ouais. Toujours pas grand-chose. Ah, c'est fou, hein, putain. Il n'y a pas de fer, quoi, c'est génial. Par contre, j'ai une promotion d'unité. Ouais, les Espagnols se replient. Et ils prennent cher. C'est ballot. J'ai envie de dire. Le bronze est le miroir de la forme. Le bronze est recherché. Et le vin de l'esprit. Voilà, travail du bronze c'est fait. Donc on va pouvoir maintenant travailler le fer et construire du coup les mines de fer, recruter du lancier, construire les fameux campements. Et sur ces campements, donc les campements c'est un nouveau quartier, donc un quartier militaire sur lequel on va pouvoir faire les casernes et d'autres bâtiments plus tard, les écuries, etc., etc. Donc voilà. Alors ici, on a nos premiers ouvriers, parfait. On va du coup se faire une petite mine de jade. Voilà. Et ensuite on va aller au-dessus. Et du coup on a déjà optimisé la roue. Et on va aller au-dessus pour se faire ici de la gypse. On monte ici, ils sont ok. Alors. Ouais, unité de lancier sur le campement. On les affaiblit déjà un petit peu. Alors. Ah, on a découvert les nouvelles frontières. Ah bah oui, c'est notre, c'est le chinois. Ah non, c'est le congolais ça. Oui, c'est le Congolais, c'est ce que je me disais. Bah du coup, lui on s'en fout. J'ai pas la capitale de l'autre. Non, j'ai pas la capitale de l'autre. Les Espagnols ont établi la Valladolid, nouvelle cité portuaire. Pas loin de Bruxelles. Ok. Bon, choisir une technologie. Cette fois-ci, étant donné qu'on a fait le travail du bronze... On va faire la roue. Voilà. Donc normalement après ce camp-ci, il y en a encore un au sud. Mais ils vont plus faire chier Bruxelles que moi. On verra plus tard, je pense. Oh, mais je suis un aveugle infini, putain, faut que je remplace mes verres, moi, c'est incroyable. En fait, je viens juste de voir, il y a deux unités de fer ici. On a deux unités de fer pile à l'ouest de Saint-Pétersbourg. Bon, bah, c'est parfait, on sait déjà où établir notre nouvelle colonie. On l'établira ici, sur la côte. Et du coup, espérons que, évidemment, nos cases s'étendent jusqu'à une des unités de fer, des cases de fer, mais normalement, oui. Il n'y aura pas de problème, mais c'est parfait, magnifique. On a du fer juste à l'ouest de Saint-Pétersbourg. Ouh, ça m'enlève une épine du pied. Ici on a un campement, pourquoi pas établir un campement à Voronej. Mais bon, je sais, je vais galérer jusqu'à la fin des temps, mais on peut aussi recruter notre première unité de lanciers. Nos colons, ouais, non, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, allez, on va faire des lanciers qui seront là dans cette tour, et puis pour prévenir une possible guerre surprise, on sait jamais. Philosophie politique est maintenant optimisée. Bah du coup oui, les recherches ne servent à rien. Ah bah oui, bah voilà, mon éclaireur a découvert Mohenjo-Daro, une nouvelle cité-état. Bonjour mes amis. Et apparemment ils sont en contact avec une civilisation, les Espagnols. Ils ont envoyé un émissaire. Ouais, donc voilà, ils sont pas non plus avancés à fond de balle. Ils sont pas à fond dans les relations diplomatiques, hein, les Espagnols, j'ai remarqué. C'est des petits bâtards, on va pas se le cacher. Bon, ici, promotion d'unité, du coup ils vont regagner des points de vie.
Puissance de combat, si l'occupant gagne un quartier ou un fort. Hein, bah du coup pour le siège ça pourrait être intéressant, mais on va faire salve. Ouais, du coup ils sont de nouveau full life, parfait. C'est bien les améliorations, les nouvelles améliorations d'unités sont vraiment sympas. Le fait qu'on gagne de la vie à chaque fois, c'est sympa. Les Chinois ont buté des barbares, c'est bon pour nous. Ah mais des barbares ou des Espagnols en fait? J'ai pas vu. Ouais non, c'est des barbares. Bon du coup, en parlant de barbares, il y en a juste là. On va aller explorer la côte. On va suivre la côte, voir ce qu'il y a. Bon alors ici, on réattaque. Ah, ils se sont avancés. On va se replier un petit peu. On va attendre les autres. Voilà, hop, maintenant tu vas aller là. Ils ont encore deux constructions ici, voilà, c'est bien. Donc ils ont trois constructions de base, les bâtisseurs. Donc voilà, vous savez quoi? Je vais pas avoir besoin de l'autre unité d'archer en fait. Donc ceux-là, je vais les faire gagner nos régions. Ah ouais, il y a du monde, hein. Mona kaka keti ketidienne. Mukabula kinzambi ponso kondo lumungu. Je suppose que votre réticence à répandre votre religion vient de votre manque de conviction. Et vous voyez, hein, quand je vous avais dit que ça allait créer des petites tensions, le fait de créer notre religion. Ça aurait été le cas, évidemment, si on avait n'importe quelle autre religion différente de la leur, hein. Logique. Mais la nôtre est toute nouvelle. Elle est naissante. Carrément naissante. Bon alors on va un petit peu voir ce qu'ils ont à côté de chez eux. Ah bah on a trouvé la limite nord de la map. La canotte glaciaire, putain. Faut que j'arrête l'alcool. Et donc on continue l'exploration avec nos éclaireurs. Bah c'est vraiment nickel ça, qu'on ait du fer en quantité là. Et de la pierre. Nickel, parfait, j'aurais pas pu rêver mieux. Bon bah du coup, il n'y a plus personne je pense sur leur camp. Le bruit court que la Chine a progressé de l'ère antique à l'ère classique. Ouais, ça va commencer. Et on va pas tarder nous non plus. On va y plonger nos pieds. Vous avez beaucoup appris sur la technologie mathématique. Les urbanistes de vos quartiers ont compris les bases de la géométrie. Un système mathématique complet suivra bientôt. Peut-être. Voilà. Bon ici on construit la fameuse mine. L'aménagement. Et du coup on optimise maçonnerie. Vous voyez comment c'est... C'est génial ça qu'on puisse optimiser en faisant des petits objectifs. On sait même pas quoi on a à faire, ça se fait tout seul. Bon alors ici on va juste attaquer ces messieurs. Et voilà, bon bah maintenant on n'a plus qu'à marcher sur leur campement. Ah il y a du frondeur, bon bah ça va être vite réglé. Hop, donc voilà on a fait la connaissance de Mohenjo-Daro. C'est sympa, mais j'ai plus d'émissaires. Et il me faut 100 points d'influence. Donc l'influence par contre, ça, pour l'instant j'en gagne un par tour. Les gouvernements et les doctrines sont la principale source de points d'influence. C'est vrai qu'il m'en faudrait plus. C'est clairement ce qu'il me faudrait. Bon, ici on va créer la bibliothèque sur Saint-Pétersbourg. Et oui, donc c'est sur le campus que je construis la bibliothèque. Et donc ça va augmenter mes chances, une nouvelle fois, d'avoir un savant illustre cette fois-ci. Donc très important. Et voilà. Après on recrutera des unités militaires, parce qu'ici ça prend vraiment pas beaucoup de temps sur Saint-Pétersbourg. Sinon il y a des projets qui peuvent être entamés une fois les constructions de différents quartiers entamées. Par exemple là, la lore m'a provoqué le fait que je puisse entamer le projet de prière au lieu saint. Ça va augmenter entre autres, ça va générer de la foi et également des points pour prophète illustre. Donc pour ceux qui veulent vraiment rusher les personnages illustres, ça c'est pas mal intéressant, mais voilà, c'est assez handicapant, ça prend du temps. Il y a d'autres choses à faire et je n'ai que deux régions personnellement, donc voilà. On va établir la troisième là où je l'ai dit, et c'est pas exclu pour ne rien vous cacher que j'aille attaquer Mohenjo-Daro, puisque comme on en aura fini bientôt avec les barbares, ça pourrait être intéressant. Mais attention à ne pas aller trop vite en besogne, parce qu'une autre faction peut nous dénoncer. Attaquer une cité-état sans motif comme Mohenjo-Daro pourrait, ça serait le motif, voilà, non seulement d'une dénonciation mais peut-être d'une guerre avec une autre faction, donc attention. Bon ici, est-ce que je peux avancer? Bon, on pourra pas attaquer.
Bon bah je vais attaquer vite fait avec mes guerriers. Non, je peux pas attaquer. Prochain tour, on se fait le campement. Alors, il y a du crabe sur certaines cases adjacentes là. Ah ok, j'ai une unité qui a une promotion, celle-ci. Bon ben on va la promouvoir après et je chopperai la région avec cette unité ici. Mes bâtisseurs, eux, ils vont aller se faire un petit... Voilà. Petit campement, petit camp là de chasseurs. Hop. Donc on a quand même déjà la connaissance de 4 des 8 dirigeants de peuple. On a également 3 cités-états, pardon. Ça commence à... Voilà, on commence à faire connaissance avec tout le monde. Et regardez, donc la route commerciale a été établie et maintenant il revient, notre négociant. Donc c'est pas une unité qui va se dissoudre au contact de la destination, hein. Elle va continuer à faire les allers-retours. Donc voilà. Ici, mon éclaireur. Bah, je vais le remettre en mode exploration automatique. Ici, on se l'est fait. Voilà, on prend le campement et on a gagné de l'or. Et donc ici, promotion. Je sais plus c'était pour qui. Mais voilà, ils veulent pas. D'accord. Bon, ben on va les faire revenir. Les archers aussi. Voilà, ils rentrent chez mes mères. Ici, on se fait un petit camp pour chasser. Et du coup, les ouvriers ont fait leur taf. Donc, ils ont construit 2 mines, dont une de ressources de... 2 ressources de luxe. Et un camp ici pour les cervidés, donc le gibier. Donc, c'est pas mal. Quand on sait quoi faire, voilà, c'est assez utile. Hein. Il suffit de faire ce qui est en priorité nécessaire, mais bon. Ouais, il va falloir que je répare maintenant mes fermes aussi. J'ai complètement oublié ça. Moi, ils font chier, là, les Espagnols. Je me demande si je vais pas entrer en guerre plutôt contre eux. Sincèrement, Madrid, on pourrait la choper assez vite. Pas besoin de réinventer la roue. Si on a les unités. Il suffit juste de la réaligner. Pas besoin de réinventer la roue, il suffit juste de la réaligner. Anthony D'Angelo. Ouais, c'est beau. C'est bien dit. Bon alors. Il est temps du coup de faire... On va faire la monnaie qui est déjà optimisée. Et du coup, bah, ça nous fera passer dans l'ère classique. On fera ensuite l'équitation. Et je vois, regardez, on a déjà optimisé les maths. Construisez des remparts antiques. Ah oui, c'est vrai qu'il me faudrait ça. Les remparts nous permettraient entre autres du coup de pouvoir... ouais, on va faire la maçonnerie. Elle est optimisée. Ça ne prendra que 5 tours. Ça nous permettra la construction de remparts. Et du coup, évidemment, d'attaquer à distance depuis les centres-villes. Ce qu'on pouvait faire avant au début. Mais maintenant, il nous faut des remparts. Ça va nous être très utile, je pense. Il faut se les faire. Bon alors ici, nouvelle construction, on a nos lanciers, sincèrement je ne sais pas. Pourquoi pas un campement. Un campement et du coup sur lequel on ferait peut-être nos écuries plus tard. Donc je vais laisser le campement à poil. Et on fera nos écuries plus tard et je vais le faire là sur la route. Comme ça, elle pourra aller entre nos deux villes très rapidement. Bah ouais, on va faire ça. Bon, ici. Mes lanciers, je vais les mettre ici. Les archers sur ma ville. Voilà. Bon bah du coup, on s'est fait une très bonne petite brochette de barbares. Alors ici, mes éclaireurs. Ils s'enfoncent vers le sud, encore et toujours. Et du coup, les Congolais se sont également étendus. Avec la ville de Kwila. Ah non, de Mbanza Congo. Ça s'étend, tout le monde s'étend. Mais on a été le premier à se faire une deuxième cité. Bon, ici, on retourne vers Saint-Pétersbourg. Voilà, notre négociant fait son petit train-train. Bon bah j'ai envie de dire, why not?
déclarer la guerre à l'Espagne. Et regardez, Madrid, leur capitale, n'est qu'à 13 de défense. C'est pas grand chose. Du coup, ici, peut-être qu'au lieu du campement, pour ne rien vous cacher, on se ferait peut-être un corps du lancier. Je vais me faire des archers. Ici, dans deux tours, voilà, la bibliothèque sera bientôt faite. Hop. Bon, ils vont peut-être rouspéter parce qu'on approche nos unités un peu trop près de leur capitale. Mais on verra un petit peu ce qu'il en est. De toute façon, je les ai dénoncés dans le précédent épisode. Ça me dégoûte. Ça m'a dégoûté, voilà, qu'ils déclarent la guerre sans motif à Kaboul. Mais moi, voilà, ma raison de leur déclarer la guerre, c'est qu'ils ont justement déclaré la guerre à Kaboul. Donc ce sera parfait. Donc voilà, les autres unités aussi, on va les faire venir par là. Mais sincèrement, avec 5 unités, 2 d'archers, 3 d'infanterie, on a largement assez, je pense, pour Madrid. Hop. On va se déplacer un petit peu plus par là. Bon, bah du coup, je pense qu'ils ont abandonné, ou du moins ils vont abandonner bientôt le siège de Kaboul. Alors on a optimisé Premier Empire. Le courage, c'est être le seul à savoir qu'on a peur. Et du coup on a débloqué la production ici, enfin doctrine manœuvre. Production 100% en plus pour les unités de cavalerie légère et lourde de l'antiquité de l'ère classique. Donc ça ce sera pour plus tard. Pas besoin non plus maintenant. Alors mes archers, je vais les avancer là. Voilà. Bon, normalement maintenant ils devraient commencer à s'inquiéter petit à petit. Ah, ici on peut les promouvoir. Merde. Ah non, c'est bon, on peut encore les promouvoir. Cri de guerre. Allez. C'est bon, du coup il a tous ses PV. C'est génial. Donc après chaque amélioration, il y a un petit numéro qui apparaît à côté de l'unité. Un petit 1 pour dire qu'il a été amélioré une fois et ainsi de suite. Comme ça, vous reconnaissez vos unités les plus expérimentées. Bon, on va choisir un autre dogme. Mysticisme, non, pas tout de suite. On va faire le Premier Empire maintenant que justement on l'a optimisé. Et on va tout de suite enchaîner sur la philosophie politique qui nous débloquera nos 3 nouveaux types de gouvernement. Et du coup certainement l'autocratie que je choisirai. On verra alors au moment voulu. Bon, alors à Saint-Pétersbourg ici la bibliothèque a été créée. Donc je vais recruter par contre une fois un char lourd. Why not? Puissance en combat rapproché 28, mouvement 2. PM plus 1 si elle commence son tour sur un terrain plat. Sans bois, forêt, ok. D'accord. Les chars lourds, ouais, c'est pas non plus hyper efficace pour un siège. Bon, vous savez quoi, je vais faire du lancier. Voilà. Mais c'est vrai que question déplacement, en réalité... Voilà. Comme ça, elle arrivera plus vite, en fait. Voilà, nickel. Ils sont où mes éclaireurs? Ah ok. Ils sont un peu loin mais c'est bon. Ouais. Ils sont en train de rebâtir leur ville. Votre grâce, nous avons acquis de plus grandes connaissances en matière de construction de fortifications. Ah oui. Quand la guerre dévastatrice renversera les statues et que les tumultes déracineront l'œuvre de la maçonnerie. William Shakespeare. La maçonnerie a été recherchée, on peut du coup maintenant construire les remparts sur nos villes, les pyramides. Donc c'est une merveille. Et du coup le bélier pour le siège. Unité de bélier. Voilà, donc la maçonnerie terminée. Et du coup hop, équitation, ingénierie, irrigation, monnaie. On va se faire, je pense, la monnaie. Qui également est optimisé et qui du coup va nous faire plonger dans l'ère classique une fois recherché. En tout cas c'est tout pour cet épisode-ci, donc on prépare nos forces afin d'envahir Madrid, ce sera dans le prochain épisode. Et du coup on ira attaquer tout ça et peut-être déjà le choper, on améliorera aussi nos villes et nos cités, pourquoi pas avec du rempart. Donc il y a de l'archer qui va arriver très vite et du char lourd également. Donc voilà, on sera bien en mesure de se les faire je pense. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce gameplay. Abonne-toi évidemment si t'as kiffé, laisse un like et donc on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. À la prochaine.